Les bienfaits des pulpes d'orange et du cou de girofle sont énormes. Il n'existe presque aucun produit naturel que vous ne pouvez faire infuser. C'est donc logiquement le cas de la pulpe d'orange, comme du zeste de citron. Vous pouvez utiliser des petits sachets ou bien votre boule à thé habituelle. Vous pouvez en faire des smoothies avec si vous ne voulez pas infuser. Ce remède est puissant pour combattre les bronchites, la toux persistante. Ce remède est riche en propriétés antiseptiques, combat la mauvaise haleine, élimine la constipation pour ses effets laxatifs, a des actions anti-inflammatoires. D'ailleurs, attention à ne pas le consommer au même moment que vous consommez les anti-inflammatoires de l'hôpital, car ceci pourrait faire un surdosage. Il existe sans doute bien d'autres utilisations possibles de l'orange et spécialement de sa pulpe. Elle n'a donc plus aucune raison de finir à la poubelle. Vous pouvez utiliser la pulpe d'orange en beauté dans un but cosmétique. Plusieurs masques peuvent être confectionnés à base de la pulpe d'orange. Attention toutefois à ne pas les appliquer sur une peau sensible qui serait agressée. On l'appelle masque coup d'éclat. Après avoir fait bouillir et filtrer votre pulpe d'orange, il suffit de la mettre à refroidir et de la mélanger avec un œuf et une cuillère à café de yaourt nature. Laissez reposer 20 minutes sur le visage. Rincez et vous serez comme neuve. Pour une cure de vitamines, procédez de la même façon, mais cette fois, ajoutez 2 cuillères à soupe de pur miel d'abeille 100% naturel à votre pulpe d'orange. Laissez reposer 15 minutes et rincez abondamment. Ceci va vraiment nourrir votre peau et vous donner un éclat de jeunesse. Pour ce qui est des clous de girofle, les naturalistes et les phytothérapeutes le considèrent comme un antiseptique, anti-infectieux, antibactérien, à large spectre d'action. Les clous de girofle sont par exemple utilisés contre les infections urinaires comme les kystes et les calculs rénaux. Ceci est antifongique et antiparasitaire. Le clou de girofle a notamment une action vermifuge sur le ténia stomachique. La saveur du clou de girofle favorise la digestion. Ses composés aromatiques permettent de lutter contre les maux d'estomac, ballonnement, aéropagie, gêne gastrique. C'est un analgésique. Cette action analgésique du clou de girofle est très rapide sur les douleurs dentaires. Le clou de girofle tire tous ses bienfaits de la concentration en eugénol particulièrement puissante dans son huile essentielle. Ses propriétés en font également un très bon allié dans la lutte contre certaines affections virales. Le clou de girofle aide à lutter contre la toux notamment. L'épice a également des qualités anti-inflammatoires intéressantes. Passons maintenant à la recette. C'est très simple. Vous allez prendre quelques clous de girofle. Vous allez peler votre orange et extraire la pulpe. Vous allez découper ceci, écraser les deux ingrédients dans un mortier. Ensuite, maintenant, vous allez rajouter de l'eau et poser au feu. Vous allez, dès que le mélange veut commencer à bouillir, vous arrêtez le feu. Vous laissez encore reposer 5 minutes, vous tamisez et c'est prêt. Vous pouvez rajouter du pur miel d'abeille 100% naturel. Pour ce qui est du meilleur moyen de consommer ce remède, consommez-le le matin au réveil à jeûne, à midi, à l'après-midi, le soir. Consommez-le à longueur de journée et vous allez bénéficier pleinement de ses bienfaits. Le meilleur moyen de le consommer, c'est de le consommer chaud. Surtout pendant ces moments d'hiver, vraiment, c'est l'élément idéal pour renforcer son système immunitaire au maximum et rester toujours en bonne santé. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir vraiment du bon miel, et je parle du miel qui est vraiment le bon remède. Vous avez le pur miel d'abeille 100% naturel provenant des forêts d'Afrique qui est disponible au +90 531 824 3205. Je vais répéter le numéro pour ceux qui souhaitent commander du pur miel d'abeille venant des forêts d'Afrique. C'est du +90 531 824 3205. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous prie de partager cette vidéo au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider un maximum de personnes. À très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.